Alors, je viens juste de laver mes cheveux. Voilà, ils sont un peu humides, quoi. Donc, c'est la première fois que je vais utiliser la poudre d'Amla. On m'a beaucoup parlé de cette poudre et puis j'ai vu d'autres youtubeuses qui l'utilisaient. Alors, il faut savoir que j'ai des cheveux qui sont... qui se cassent pas mal, qui me grattent beaucoup et qui me font mal. Et j'ai aussi pas mal de pellicules. Et j'ai cru comprendre que justement, cette poudre avait beaucoup de vertus. Donc, je vais tester de moi-même et puis je vous dirai ce qu'il en est. Alors, donc j'ai rincé mes cheveux, donc après l'application de la poudre d'Amla. Et alors, mon impression, donc je suis restée 30 minutes avec. Au début, je ressentais des sortes de petits picotements. Je sais pas, peut-être c'est parce que mon cuir chevelu en me grattait pas mal déjà là-bas, je sais pas. En tout cas, je ressentais des petits picotements. Et j'avais vraiment l'impression de comme si c'était un masque quoi, un masque de visage, donc je sentais que ça tirait, voilà. Sinon au toucher, pour l'instant je peux pas trop vous dire grand chose, je verrai tout à l'heure, je verrai après.